Ce matin, j'étais tranquillement en train de manger mon naïmoulou quand l'ennui et l'envie de ne pas encore passer toute ma journée au studio m'étouffa. Je décida donc d'écrire à mon poteau Gérard. Yo man, les mains, en forme et toi, tranquille. Ça te dirait un trip rapide. Sors de Lomé, on rentre vers 16h. L'homme s'ennuie trop quoi. D'accord, pas de soucis. Je viens dans combien de temps? T'es allé, tu peux venir tout de suite. Hein. Je suis au studio. D'accord, j'arrive. J'avais aucune idée de l'endroit qu'on pourrait aller. Du coup, je rentre dans Google Maps pour voir les lieux à visiter que j'ai déjà enregistrés. Et là, je tombe sur le lac Rodopé qui est à 101 km. Du coup, let's go bébé. Ne vous inquiétez pas, j'étais revenu pour tuer le Yaïmolou. 30 minutes plus tard, le BG était là. On était obligé de passer au supermarché, prendre quelques boissons. Évidemment qu'on fait le plein d'essence avant de décoller. Petite escale au niveau du site d'Agbogbo. Après 2 heures de route, enfin on est arrivé. En vrai de vrai, la vue était époustouflante. Ça donnait carrément le vertige. Si vous connaissez d'autres endroits aussi magnifiques comme cela au Togo, n'hésitez pas à le partager en commentaire pour le faire découvrir aux BG de la communauté. On a même observé un crocodile dans le lac. Je l'ai même pris en photo. Avec sa vilaine tête là, il voulait pas bien se faire voir. Avec le chant des oiseaux, j'ai profité pour faire quelques minutes de méditation. Vu qu'il y avait plusieurs pensins qui étaient mûrs sur le baobab, on a profité pour en cueillir. Après plusieurs tentatives, enfin j'ai pu cogner un. Soudain, je me réveilla. Et merde, c'était un rêve. Mais que fait ce sein de pinge? Ce pain de singe? Bon bref, un calan ben alors les filles. Hein. Alomi trem to kuma. Mbanama du intomado sekora. Est-ce que ni n'intop na mi efia? Adon va du mari.
Bref, si quelqu'un sait comment on fait pour manger ça, dites-le moi dans les commentaires. C'était Ricardo Catea, Togolais 228.